l'armée a pris le pouvoir, je crois que les nouvelles autorités doivent mettre tout en œuvre pour assurer l'aspect psychique. Parce que l'aspect psychique, c'est quand même l'état d'une population, l'état d'esprit d'une population, d'une personne qui se sent tranquille et apaisée. On a besoin de ça en Guinée, concomitamment à ce qui peut se faire par rapport au process de la transition. Alors, vous, parti politique, qu'est-ce que le CNRD vous a dit? Quel est ton point de vue? Le CNRD nous dit déjà qu'il faut qu'on assume nos différentes responsabilités. Il faut qu'on assume l'échec de la Guinée ensemble. Il faut que chacun assume sa responsabilité du passé, du présent et peut-être du futur. Donc, il a un discours rassembleur. Ce qui reste clair, c'est que j'ai constaté qu'on a constaté que le discours bélier cède la place au discours rassembleur, au discours d'apaisement. Et ce qu'il nous dit aussi, il nous dit qu'il ne prendra aucune proposition individuelle, aucune proposition partisane. Le travail sera collégial, collectif et participatif, ce qui est très important.